Hey guys. So we're here to watch this this match. This is going to be a good one. Beslem playing Akuma, and one of the best Akuma in France. Beslem And versus Crash. Good luck. he's going against Crash. Yeah, Honda player, Honda, Oonga Boonga. We're going to have so much fun. And it starts right and now. And starts calmly. Look at this. This has come very nice opening here from the Air Hadouken. Such a powerful tool here for Akuma. Very, very, very powerful against Honda because Honda, his most reliable anti-air is, I think it's Fierce Point, right? It's standing Fierce Point. And as you can see, you can bait it with the Air Hadouken and then gain the momentum and then watch your opponent die. Very easy, actually. Very nice display of game here from Besulemu. And he leads 1-2-0, round 0. Beslem qui est passé Ultimate Grand Master, GG à toi Beslem. Parce que Ouais, la dernière Besselin fois qu'on qui l'avait moi. invité, il était Grand Master. Et c'est long, hein. Ah, ça Le... ponce, hein, ça ponce, et C'était. ça ponce, et là, attendez, Aïe attendez, mais aïe qu'est-ce qui nous aïe arrive? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Il est en train de lui Crash mettre un qui fait le perfect! job! Oh là là, Crash qui a fait le job avec son Honda, je l'avais dit, hein. Un perso totalement swag, il a pris le contrôle du premier round, il a poussé son adversaire dans le coin, et après, il l'a mixé, petit découpé, il lui a fait la totale. Très très bien joué, là, de la part du joueur d'Honda. Donc, attention, Ouh, joueur. ce headbutt! Sans secouille! Qu'est-ce que vous avez... C'est Doskoï, attends, ce Doskoï qui a changé de côté, c'est tellement bien joué, Doskoï c'est est au correct, extrêmement hein. dur à faire. Hein? Doskoï est au correct, hein. Ah bah les Doskoï c'est la vie, hein, là, Doskoï c'est la base. Regardez là, il est bon, Crash, il est bon, il trouve encore une très bonne chop ici, qu'est-ce qu'il va faire solo? Qui s'est mis dans une chop spé? Qui n'a pas marché? Attention, activation V-Trigger qui en plus avait ébaité le V-Shift, et il tente... Oh non, ça se punit monsieur, ça se punit monsieur, le coup de cul cross-up, ça se tape et ça se fait, ah, bien joué, oh. Et la super... Ah, ça tue ça, ça tue ça? Non, 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 non. Non, il y a trop de graisse, il y a trop de y a graisse, trop de ça ne tue pas, il y a trop de graisse, y a ça trop tue de pas. graisse. T'as trop de graisse, ça ne tue pas. Il suffira d'un BAMK. Et donc du coup voilà, bah jouer Beslem qui revient un peu de nulle part avec un très bon confirme à la super. Mais qu'est-ce que ça a été chaud déjà ce premier match qui a démarré et qui nous a offert tout le Ah, spectacle qu'on qui a était démarré vraiment. sur les chapeaux de roue, mon cher Snake. C'est le moins qu'on puisse dire. Moins Avec qu'on un puisse dire. perfect, hein. Ah oui, mais je vous avais dit, Honda, c'est hype. C'est insupportable de jouer contre Honda. Enfin, franchement, hein, disons franchement entre nous, quand vous jouez contre Honda, vous pleurez, hein, vous êtes là, non, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Parce que c'est vraiment pas drôle. Mais à regarder, croyez-moi les gars, à regarder, c'est du lourd, et dans tous les sens du terme. Et franchement, c'est beau, regardez là, il s'est bien joué. Beslem qui reprend un peu d'espace ici pour se redonner de l'air avec très bon challenge, un challenge intéressant hein, de la part du joueur d'Akuma qui n'a pas peur ici d'y aller. Il continue, par contre, comment dire, ce cross down ici qui était très bien joué de la part de Crash mais qui n'a pas pu être converti. Et Verriversal pour reprendre un peu d'air. Pour le moment, le joueur d'Akuma joue bien, mais là il se fait mettre au coin et là c'est compliqué. Activer sur V-Trigger, mais un peu chanceuse avec ce qu'on confirme ici. C'est tellement chaud, chaud, chaud. Ah, il est bon, Beslem. Il est très bon avec ce décalage magnifique là qu'il vient de nous faire. Regardez ce décalage, ce petit dash avant qui a donné envie aux joueurs de Honda d'échopper ou de frapper ou de faire quelque chose. Et il a réussi à lui placer là le MK. Oh, c'est bien joué ça, c'est pas oh, trop c'est jouer ça. pour le mettre dans le coin. Oh, La belle arnaque, hein. De jouer ça. Oh, ça c'était vraiment magnifique hein, de la part de Bestem, mais ça ne suffit pas pour le moment avec Crash qui fait le job ici, qui place les combos, et vous avez vu les combos, pardon, et vous avez vu la barre de vie qui est désormais aux abonnés absents, qui est partie. Hein, il y a eu une alerte enlèvement sur la barre de vie. La barre de vie en mousse, ça, Akuma. C'est clair. And you can see Crash. You get a watch for it because Crash is already. We've been like two matches right now, and so far both of the matches went to 1-1. And you know, it says a lot about how the matchup is going to be played here. No wonder that Problemx has been training a Honda for a lot of situations, and you can tell that. I think. I mean, the matchup. I'm pretty sure it's for Akuma, you know, since Akuma can use the Air Hadouken and a lot of things and a lot of tools, but you know, it only takes one opening for Honda to be able to break Akuma's defense and maybe take it.
but unfortunately that won't be this one. Yeah, of course it's for Akuma. Akuma is top tier like Kami. And Honda, well, trash character is like Blanca. Nah, Honda is no trash character. He's not that trash of a character. Again, we're watching Honda is again another momentum character, or maybe not that, not maybe not as good as the one we just saw earlier, but he's a very good character. I think it's a character that you can play very safely with, and for that, if you're patient, and I remember, for example, Faxu being so aggressive with the character, but Verdoyance being a very, very, very patient one, and not only to mention Problem X, who's the most patient guy with Infectious that I've known in my entire life. So, see, it's possible. It's really hard, but it's possible. Look at this, look at the pressure here. Very nice pressure put from the Akuma player. Akuma player is trying to put in the corner, is eating all the buttons, and he gets this one. Very nice conversion here over this Crash Thunder. Very nice conversion. Ah, ça a l'air dur quand même hein, pour Crash. Quand je vois les échanges qui se font en patate, Beslem a quand même un bon avantage avec son V-skill là pour contrer en cas d'échange de patate. Hein. Contrer et forcément reprendre la main. Et c'est ce qui se passe. Et là, il est en train de presser dans le coin là comme un citron. Là, c'est surtout qu'il a repris, il a pris un avantage monstrueux dans le neutral. Là, on voit bien que dans le neutral, Crash, il commence à être un peu mal à l'aise. Ou ça va, il a essayé à nouveau. Hein, t'as vu, il a essayé de refaire le truc du. Oh, ça s'est bien joué. Oh la vache. Beslumi, he's taking the match right now. He's taking it into his own hands. He's saying, okay, this is not a matter. We are going to die here. Very nice activation here. And Doskoi again trying to go for a little mix here. Not working. That's a shame, but you know, careful. Oh. And again, knee. You get to me. You see my knee. I think Akuma would be the best. You know, he could write something down his knee, and you know, it's like the best ad you've ever seen because he's eating with the knee again and again and again. Just like, bro, it's a one mashing button. Bam, 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 bam. So strong. This is so strong. Come on, Crash, come on, you can Crash. On, do Crash. It. I know you suffer, you're suffering. see in neutral how hard it is, because Akuma has, really, he has a better control over the neutral. And this is exactly where it's hard for Crash, because once he get the Okizeme, things are going to, you know, get nasty. But right now, in the neutral, it's so hard to get a grip on Akuma. And you can see here that even the Fierce Punch is breaking Doskoi's. So it's hard. And if Beslem keeps playing like this, I mean, there will be no very good issue. I mean, you know, no very good ending for Crash. Look at this pressure. This is very good. This one is very good. And now activation. He will get massive damage. Look at the damage here. And he goes for Shimi. Shimi, no, it's not working. Shimi, no, Shimi, yeah. And it's not working. Very reversal twice. Oh. Saying, no, you're not going to mess with me. And I would have tried to YOLO the super here. But you know. Very hard, but okay, very good Crash counter, and let's go. We have one throw, keeps the Okizeme, and very reversal right away. This is the exact application of the matchup, using the very reversal to get some space, and it's very interesting here. See, Beslem, he really stays in the match, and he doesn't make almost any mistakes. Very nice DP here, very nice DP after this opening. This is so hard, and here Crash having super reflexes, it's just not enough yet. C'est chaud, hein. C'est chaud là pour le c'est chaud. Crash qui joue bien hein, ce round là, je pense quand même sans trop m'avancer qu'il va le prendre. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire, j'ai eu peur hein, parce que franchement j'ai eu peur là sur ce. Ah, il a eu le temps de mettre un lot. Ouais, il a eu le temps de mettre un lot, il a dû se poser la question pendant l'animation. Attends, c'est quoi mon bouton le plus rapide là? Je me trompe. C'est ça. J'ai eu peur là. J'ai eu peur qu'il allait se faire sanctifier là. Ah ouais, non, ça sentait pas bon. Allez, on va voir très bon entière ici de la part du joueur d'Honda. Beslem qui va devoir faire attention et reprendre le contrôle. Oh, regarde, c'est magnifique là ce que nous fait le joueur d'Honda. Yeah. Cette espèce d'énorme coup de cul sur ta face.
passe. Et là, c'est chaud, Beslem qui va peut-être perdre son premier match de ce set. C'est très compliqué, il va tenter, j'imagine, une sortie. Non, il reste devant, des chops magnifiques. Là, par contre, il a voulu essayer, je pense, quelque chose, genre un Doskoï, ça n'a pas marché. Et il aurait peut-être pu faire un Doskoï X, mais le pif fait le job et lui permet maintenant d'être très très bien, le joueur de Honda. Il est très bien, Crash. Et Beslem, s'il veut s'en sortir, va falloir trouver des sacrées conversions hein, sur maintenant qu'il a. Oh, il aurait pu l'avoir là. Ouais, il aurait pu l'avoir là, dommage. Il aurait pu l'avoir, ça c'est simple, il continue. Blablabla. Il n'y a plus rien. Et il lui a dit. Non, là il a voulu vraiment se le faire en mode. Ah, Crash, il a besoin de gagner là, cette victoire pour revenir dans le jeu là. Voilà. Si vous voulez, s'il te plaît, laisse-moi gagner. Non, mais GG là, GG quand même. Il a couvert les heures. Le standard neutral HP. Il est complètement là, notre Honda. À la Lord DVD. Complètement là. Mais oui, ah bah tiens, encore un Honda fameux. Parce que ça fait quand même 3-1, si je ne me trompe pas. C'est ça. 3-1 pour Beslem. Et quand même assez rapidement en fait. Hein, on va. Ce soir, les mecs, ils ont pas le temps. Hein. Et pourtant, Koh-Lanta, c'était hier soir. Hein. Il veut le totem de l'immunité, Beslem. C'est ça, c'est exactement ça. Ah non, ça joue bien. Et là, franchement, regarde, Crash qui a peut-être trouvé une clé là. Peut-être qu'il a trouvé une clé dans ce match-up parce qu'il y a une forme de distance là qu'il a réussi à trouver face à Beslem et qui lui permet de casser le neutral, le fameux neutral dont je vous parlais tout à l'heure qui était si fort chez le joueur d'Akuma. Et ben, Crash, il est en train d'essayer de le casser, même si là, il se prend les mix-up de la terre et ça va faire tellement mal. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Le reverse time shift, le shift qui sort. Bah, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a pris le coup? Bah, c'est moins 2 ou c'est je sais plus combien un V-shift break. Donc il sait qu'il faut pas taper derrière. Ah, il a dû taper. Il a dû mâcher. He mashed the button probably. Yeah, it's quite surprising, but you know, here. Crash, having won his first match of this set, looking way better. And I was saying that in French that I think he found combo. Something in the neutral again. Yeah. Look at this command grab. Look command at grab EX. So sexy. The look throw, at this. The itch, you the can see it's free hugs. free hugs in here. It's free hugs time. And very nice. Whoa. This very versatile was such a mess. And look at the health bar. It's careful, like, the demon! He's gonna kill. He's gonna kill and it kills. This is going to kill. And so nice. Dear. This is absolute display of skills. And actually, it was superbly hidden, you know. On l'a pas vu venir. On va être honnête, Snake. On l'a pas vu venir. Il est arrivé comme ça. Oui, personne n'a vu venir. La commande, bam bam. Tu sais quoi, il m'aurait même envoyé un texto pour me dire je vais te le faire, que je l'aurais pris. Hein. Là, j'étais pas là, hein, j'y étais pas. I mean, like I said, if Beslem would have texted me saying I'm going to demon you, I would have taken it anyway. But I really think that Crash has found something in the matchup. He really has found a good distance to be able to apply a good neutral pressure. And as you can see here. Beslem is needing his best tools and somehow some YOLO things to get a grip on the match, because right now look at this, the way Crash is playing is really really nice and he really gets it. That's very very nice. Love it. I'm loving this. A perfect round for Crash. Yeah. Now he must continue like this. Yes, he has, but look again, now it's going to be very interesting to see how Beslem is going to adapt to this, because obviously there's a lot of change and a lot of adaptations from Crash into this match and into the neutral part of it, so yeah, we'll stun. See. Oh, very nice, saving him from the stun. The stun was coming so very fast, an activation of B-Trigger, very versatile here, trying to gain some space. You know, qu'est-ce que c'est? What happened? This is laggy shit. I mean, this is the lag here playing. And please, this is going to be so hard. Please, because here Crash has the super, but he goes for a slap, and the slap does the job. Crash says, wow. "Don't move, bop." Yeah, exactly what happened. Don't you move? And but you get the feeling that you know at the end of the rounds. Our friend Crash is saying, please let me win. Please, I mean, let's end this. Please, let's end this quickly, because I don't want to deal with your shit. You know, I don't want to deal with your super. I don't want to deal with the trigger. So please, let's end it. I love it. I actually love it.
Look at this one. Very nice throw here, but here. Gets the opening with the air Hadouken. Very nice and very good corner carry situation. Burner hard. Look at the way Crash ended getting out of the corner and bringing so much pain into the Akuma. Oh, nice cross down. That the crash down was absolutely brilliant play here from Beslem. He's going to get the he's not going to get the comeback because of the very reversal, but still everything is possible right now, and obviously he's not going to rush into it. Ooh. And he tried again to go for a slap, and he goes for the hands again. Very good patience here from Beslem. Beslem is trying to end it. Not working. Activation. Vitrigal activation here from Crash. Crash is going to now. He has a super. But it doesn't work. It was almost. He charged it. Everything in front of his face. Like, I'm going to charge in your face for a long time. Boom. Such a nice play. Ah oui, c'était excellent cette situation. Ah, c'était vraiment fort. Franchement, il lui a chargé sur la tête, mec, d'une force. Vous avez vu là encore à quel point Beslem était prêt, hein, parce qu'il était prêt à reprendre le V-break. Et là, ça fait très mal. Et là, ouais, bon, alors là, il a. Là... Il est vexé, Beslem. Il est vexé. Ouais, Beslem, il dit, c'est bon, attends, là, j'en ai marre de tes salades. Personne ne charge toute sa barre sur moi deux fois. il fait un truc comme ça. Personne ne me le fait deux fois dans un match. Voilà, boum, double crush counter. Ouais, mais tu sais ce qui est intéressant là, c'est qu'il a utilisé le crush counter. Ce qui est très intéressant là, dans ce qu'a fait Beslem, c'est que ce crush counter, il l'a utilisé pour timer le temps de réponse de Crash. C'est-à-dire que il a repéré que Crash, il a un timing de delay qui doit être à peu près du temps de sortie du gros point, du bas gros point. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que pour casser ça, Beslem a fait saut gros point, bas gros point. Il doit y avoir un décalage d'environ 5 frames, un truc comme ça. Je connais pas bien la frame rata d'Akuma, mais ça doit être à peu près comme ça. Et ça a donc cassé la tentative de réponse qu'avait faite Crash. Très bonne adaptation là, du joueur d'Akuma. Mais pourtant, malheureusement, avec toute cette lecture, bah, c'est lui qui est à la traîne, c'est lui qui subit, et c'est lui qui malheureusement n'a pas toute la vie. Donc on va voir un petit peu comment Crash maintenant, qui a une barre. C'était magnifique! Qu'il fait là! À la relevée là, je te charge, je te. Le coup de boule. J'absorbe le hit. Coup de boule à la Zidane. Ah, c'était vraiment très intéressant hein, ces phases de jeu là qu'on a. Et comme je le disais, hein, un match-up qui, sur le papier, est très pour Akuma. Mais. Derrière, caché derrière les fougères, on voit Crash qui est en train de remonter des enfers. Et ouais. Mais parce qu'il a trouvé, parce qu'il a vraiment trouvé le bon rythme en neutral. Et ça change tout, quoi. Ça change absolument tout. Et là, ça joue bien. Regarde, il a bien joué. Là, il a tentaté. Et ouais, il a tentaté. Je suis tout à fait là, moi, ce soir. Il a tenté un pseudo chimie garde au cas où il y aurait eu un pif. Mais non, rien de tout ça. Beslem est resté bien solide sur ses appuis. Et là, pour le moment, c'est le joueur d'Akuma qui est bien à l'aise. Par contre, pas dans hier. Oh, ça c'est dommage parce que là, ça fait la barre de vie. Regardez la barre. La barre, elle a volé. Elle est aux abonnés absents. Emmanuel Macron fait une alerte enlèvement. C'est pas possible, j'ai vu ça. Oh, elle a plus des 1000 mains derrière. Regardez, ça va faire tellement mal. Aïe. Et là, Loki, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il tape à la relevée. C'est tellement bien vu de la part de Beslem qui avait anticipé donc un chimie de la part de son adversaire et qui a tapé. Dans les malléoles pour le faire tomber, et c'est très bien vu, et il prend donc ce premier round là sur ce match, ce très très gros match hein, avec un Crash qui aurait peut-être l'occasion de revenir à 4 partout dans ce set. Mais ah, c'est pas encore mal barré là hein, pour Crash là. Oh, attends, c'est Akuma et c'est Honda, hein. Tout est possible, on le sait. La barre de vie en bout, ah, voilà. Regarde, ça, c'est parti, ça fait. C'est parti, il a 30% de partie. Et là, il active exactement, bien vu, la lecture de Ferdon. Ferdon qu'on rappelle, hein, qui est monté ultra diamant récemment, et donc qui commence petit à petit à se faire un nom dans la communauté. En tant que joueur, cette fois-ci, pas. D'ailleurs, à quand un match de Ferdon en heavyweight commenté par Liv et Elias hein. Ah, je vous le demande moi hein, ah non, j'ai pas le niveau pour le heavyweight pour le moment. Bon bah alors pour le en lightweight ça serait drôle ça. Allez, oh, en tout cas ça joue bien. Veriversal ici amené par notre ami oh Slam. C'est quoi cette critical qui vient qui... ça fait mal.
Ça fait mal. Ça fait bobo quand même là. Là, il y a eu panique. Il y a eu panique à bord, Monsieur Snake. Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu. Il y a eu un. Bah, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Hein. C'est, j'en ai marre de la fin de round. Faut que je termine, quoi. Il lâche tout. Je plie les fins de round parce que pour, c'est pour le coup, il est pas mort compliqué. Avec ses ressources. Écoute, franchement, moi, je respecte. Je respecte ça parce que si celui-là, il marchait, on aurait tous crié au génie. Hein. Donc, ça, c'est très bien joué aussi. La part de Bestem qui commence aussi à s'adapter aux distances, vous avez vu hein, comme il a réussi à se placer par rapport au Doskoy. Vachement intéressant hein, de voir ce type de match. Par contre, on voit un Crash qui est de plus en plus agressif. Hein. Oh la vache, ça c'est bien joué. Regardez-moi ça, c'est bien joué. Oh. Mais finalement, c'est vachement à l'avantage de Crash. Tu as vu là les barres de vie sur ce trade? Ouais, ouais. C'était méchamment l'avantage de Crash. Crash par contre qui prend tous les pifs du monde. Hein. Alors là, et celui-là, c'est là, il est dans la gratuité du pif. Il a assumé, il avait le cancel. Oui, mais bon, quand même. Oui, bien sûr. Allez, une touche pour Crash, allez. Là, il manque pas grand chose. Hein. Là, il manque pas grand chose. Ah, il va être pas mal. Ça va faire mal. En plus, il a l'outil derrière la bonne carte qui est trouvée ici et la shop qui en terminera. Good back throw found by Crash. Yes. Now you have to confirm the advantage. Yes, yeah. Actually, Crash trying, you know, go for a YOLO super right in the previous match. Not working, but, you know, doing a great job here. And I like what I'm seeing because he's telling Beslem that he won't hold on, you know, he won't hold back to anything. Wow. Again, he used it so well. Look at the pressure that Nahonda is able to display here. Another YOLO DP going to a V-trigger. As I said, I mean, maybe it's part of a plan, you know, maybe he's saying that I don't care, I'll get the YOLO DP, there's no big deal. Correct. And again, the Mitty doing the job, Crash playing out of his mind right now. This is brilliant play from the underplayer. Yeah, I like the pressure that Crash put on Beslem. So yes, it's amazing. It's amazing. As I said, it definitely showed that a chat character is not weak. It's not weak, definitely. No, I mean, you know, if there's one thing that you can tell and you can say about Street Fighter V, you can tell everything you want about the game, bad netcode, whatever, you must play on the training stage to get a decent play. Okay, whatever you want to say, say it. But the game is truly well balanced, and even the top tier character can have trouble dealing with the lower one, because the lower one are not that low. And this is something that we should be very very grateful for, because when I think about other games, you know, like for example, let's say Guilty Gear Strive. Well, it's not exactly the big deal, the same deal, you know. There is like God over God tier, and then very 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 round tier. EX Descoy does the job. Y a plus rien pour les deux là. Non, et bah il reste une barre DX là, hein. Il reste une petite barre DX ici pour. Oh là 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 là. Pourquoi il attache? Pourquoi il attache? On a dû patienter. Ah, parce qu'il faut camper. C'est vrai, la camp aurait peut-être été une meilleure solution. Pour un joueur de Honda, une camp ça aurait été une solution naturelle. Mais non. Ah oui, c'est un FT10, Zillover, c'est écrit au-dessus. Yes. Ça. Very nice play here. Look at the pressure he's putting all the time. Very nice here, anticipating the V-shift and going for the... Don't go away! The slap and... Very nice. Really, we can tell that Crash is really finding his own rhythm here. And I really like what I'm seeing, you know. He's showing Beslem that he will go for whatever he wants to, you know. He will not be afraid to throw random and YOLO moves. He will not be afraid to hit buttons. Because in the first four matches, you could tell that Crash was very, very, very... very afraid of hitting buttons in neutral, but right now everything has changed, and look at how he goes for it every time. This is brilliant and is very very ballsy actually. C'est... Bon, mon cher Snake, je pense qu'on a, on peut passer en français parce qu'on a une très bonne majorité de français, viewers français. Ah bah, finalement, écoutez, quand je regarde le, vous voulez mon anglais d'américain, dis-moi, hein, parce que là, on peut faire les deux. Garde l'anglais pour l'interview, mais tu peux te faire plaisir en français si tu veux.
Ah, je peux. Bah écoute, on va donc se faire plaisir en franglais-espagnol. Franglais-espagnol. Un magnifique headbutt ici. La cabeza. Crash qui revient au score. Boum, boum. Et effectivement, il revient au score, Crash, avec vraiment un match très, très, très bien fait, très bien amené. Et là, les gars, ça devient très chaud pour Beslem. Beslem qui va devoir trouver dans le neutral d'autres clés, puisque là, clairement, il s'est fait ouvrir. Ouvrir, oui, ouais, il s'est fait. Il perd le neutral. Là où il était meilleur au début. Oh, regarde là, Dash avant direct, il a plus peur de rien. Quand il chauffe, là, c'est monstrueux. Là, les câlins. Viens me faire du câlin. Viens. Oh non, allez, vas-y, saute pas comme ça sur moi, s'il te plaît. Respecte-moi quand même un peu. Je suis Akuma, je suis le Satsui no Ado. C'est moi le mec le plus fort. Et le petit chimie ici qui fait du bien pour faire le job. C'est bien joué là de la part de Beslem qui est maintenant ramené son adversaire dans le coin et je peux vous dire qu'il va le presser comme un citron et il lui tentative ici, ouais mais non ça marche pas. Puscouille on intensifies, mais c'est exactement ça. Yo Vasilus. Et en tout cas, ça fait le job ici. On est sur un Beslem là qui a vraiment fait le job et qui a retrouvé toute son agressivité malgré un début de round complètement fou de la part de Crash et qui continue hein, dash avant, la totale. Hein. C'est dommage parce que c'est juste une petite inversion de position là, qui a fait le job dans le round précédent. Ah, c'est bien joué. Voilà, une fois qu'il l'a mis dans le coin, regarde là, le match-up à 100%. Ah, par contre, c'est bien joué de la part de Crash qui avait fait un tout petit coup de cul pour retomber avant d'être dans le V-skill. Ah, il continue Veriversal. Pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de te dire, Ferdon. Pourquoi pas Veriversal? Franchement. Hein. Ah, il faut Veriversal hein, contre Honda, hein, parce que sinon tu te fais gratter toute ta vie. Quoi. Mais regarde la pression, mais regarde la barre grise du Honda, il est là, il prend, il met tout. Mais là, c'est carrément de la barre qui descend. Hein. Mais oui, non, mais chez Honda, il y avait un max de barre grise, parce qu'il a s'est pris je sais pas combien. Non, mais c'est monstrueux là ce qu'il est en train de faire. C'est monstrueux, mais stoppez-le. Mais stoppez ce joueur. Ce Honda des enfers. Oh, encore le Doskoi autocorrect. Le Doskoi, la cabeza, tio, la cabeza. Oh, ce qu'il lui met avec sa tête, mais je te jure, c'est terrible. Hein. Là, et vous rendez pas compte, vous imaginez le chignon de Oda gominé de gel avec le petit turban. Hein. Ça rajoute à la douleur, tu vois. C'est encore moi, j'ai le crâne lisse, je peux glisser, mais lui, non, avec tout le gel, il t'accroche, il te cogne dedans, il te rentre dedans, tu peux rien faire. C'est terrible. Regarde-moi ça, encore cette chop ici qui est trouvée de la part du joueur de Honda. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, il tente un petit toki tranquille, et finalement, c'est Beslem qui reprend l'avantage. Mais oh là là, c'est bien joué, très bonne interception ici du dash de la part de Beslem. Beslem qui commence à prendre un poil la mesure, et ça c'est bien joué. Et il va le tuer, regardez-moi ça. Le combo. Oh mais là il tue. Là c'est bon, il tue quand même. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça tourne vite. Là le match il a tourné sur le dash. Il a intercepté un dash. il a intercepté. Et derrière, boum, il l'a mis dans le coin. Merci, je vais t'exploser, je ne veux rien savoir. Et pourtant, Crash a bien joué. Hein. Honnêtement, ah ouais. Il a pris pas mal de risques. Hein. Bah, de toute façon, il n'a pas le choix hein, avec Honda. Sinon, il risque de se faire zoner toute sa vie. Salut, Coco Sap. Yo, Coco. Ah non, il est obligé hein, de prendre des risques. Magnifique ici, l'utilisation du Veriversal pour placer un contre et mettre son adversaire dans le coin. Et on remarque hein, déjà. Que l'avantage positionnel était excellent, mais finalement, le joueur d'Akuma qui se dit non, pas tout de suite. Je te laisse sortir. Non, finalement, j'ai pas envie. Non, c'est pas la peine. C'est pas nécessaire. Ouf, il est vénère le Artatsu et franchement c'était bien joué même si il y a les deux joueurs qui sont plus ou moins à égalité, un match qui commence à s'intensifier en termes de alors c'est bien joué encore Crash qui retente encore t'as vu de voir ce qui va se passer à la redescente et finalement c'est Beslem qui a raison hein, sur ces phases là c'est lui qui trouve les bonnes ouvertures les bons réflexes d'ailleurs par contre ça fait mal attention et encore non là il le fait pas ça c'est pas officiel ça monsieur c'est pas officiel monsieur Crash Monsieur Crash. Mais ça tente, ça tente. Il lui manque un poil de respect quand même. Hein. Il y a quand même un moment où il se dit ouais, je fais un peu ce que je veux. Hein. Voilà. Donc bon, hein, on aime, mais bon, hein, on voit que ça manque de respect. Ah, Bestem Kewer avec les contres. Ah, j'adore. Ah, hein, il se balade, Bestem. Ça y est. En fait, c'est compliqué. Hein.
Comme je le disais tout à l'heure, Beslem il a compris que son adversaire était quand même assez actif en défense. Et donc, bah, on le voit, hein, on voit d'ailleurs qu'à chaque fois qu'il fait un chimie, il y a une chope qui sort immédiatement. Et je le disais hein, tout à l'heure, il avait sauté, il avait fait bas gros point pour être pile dans le timing de des chopes. Et là, ouais, non, là, dès qu'il arrive à le mettre dans le coin, là, c'est la fête. Hein, c'est vraiment la fête. Il n'y a pas d'embrouille. C'est là où tu vois que la défense de Honda est vraiment faible. C'est que tu. Bah, déjà, le pressing d'Akuma, il est insane. Mais insane. Et en plus, quand t'as une défense qui est relativement faible, bon, bah voilà, il n'y a pas de surprise. Ça devient compliqué. Allez, le démon flip ici avec la shop qui est bien trouvée. Et c'était intéressant hein, de voir que Bestem avait tenté un V-skill, mais non, c'était pas la bonne option. Et malgré ça, ça ne pose aucun problème au joueur d'Akuma. Au joueur d'Akuma qui a clairement. Il a passé une vitesse depuis qu'il est revenu à 5 partout. Depuis que Crash est revenu à 5 partout, j'ai l'impression qu'il marque un peu le pas. Et le joueur d'Akuma en profite. Il a vraiment repris l'avantage dans les échanges. Et là, ça va très très vite. Hein. Après FTD c'est long et les joueurs peuvent ouais. S'épuiser un petit peu. Il a fait une belle remontada hein, Crash. Ah là il remonte là, il remonte là. Il faut pas l'enterrer tout de suite. Qu'est-ce qu'il va faire là la vraie pression. Ah là là, il a tenté la cette cabeza, saleté de double R à dos là. Regarde, il a c'est tenté cancer, la cabeza. Hein. Ouais, il a tenté et en fait c'était pas idiot, il a tenté de charger le Doskoy et je pense qu'il a dû relâcher trop. Après, n'étant pas un gros joueur de Honda, voire pas du tout, est-ce qu'on peut charger et prendre un multiple hit quand il charge le Doskoy en V-Trigger? Je pense qu'il peut prendre qu'un seul hit. Hein. Bah, c'est peut-être pour ça alors qu'il... Ah, là, il y avait deux boules, donc forcément. Exactement. Ah, ça c'est bien joué. Mais la barre de vie, ça va tellement vite. Oh, ce V-Shift ici, magnifique. Très bonne utilisation du V-Shift et des deux côtés, hein, en fait. Hein. Des deux côtés, vraiment. Ah, c'est bien joué là, de la part. Notre ami Crash qui tient la coup ici, Bestem qui marque un peu le pas dans ce round. Ouf, le crush counter ici qui est trouvé avec le Doskoy. Oh, il se prend ce shot, dommage. Ouais, ça sent le petit lag là sur Lumity. Oh, encore ouais. Un démon. Il l'a refait. Ching. Il lui a refait pour reprendre l'avantage dans ce match-up et surtout pour vraiment asseoir sa domination. Là, il a clairement fait le break. Hein. Là, c'est terrible, ça prend un coup au moral là quand tu te prends un démon. Il lui restait pas mal de vie en plus un Crash, hein. Mais ça fait super mal ce démon. Ouais. C'est GG, hein, GG, Beslam. C'est dur, Beslam qui mixe bien, il l'utilise pas trop en plus, et donc forcément tu le vois pas arriver. Non, Beslam joue extrêmement bien, et il a vraiment repris une certaine vitesse là hein, dans ce match et on le voit, moi je trouve ça ouf hein, de voir comment il a réussi à comprendre qu'est-ce qui n'allait pas et finalement c'est qu'il a réussi à checker un peu plus, voilà, de trouver tu vois cette distance là sur les Doskoy et checker les dash, gagner un peu de temps pour checker les dash et franchement depuis qu'il fait ça, bah c'est plus la même histoire. Allez hop, le bas, maintenant ça va devenir intéressant. On fait un câlin, qu'est-ce qu'on fait? Un autre câlin? Non, ça marche pas. Il a voulu tenter un câlin. Est-ce bon? Oh là là, une session ici du Doskoy pour refaire ça, c'est tellement bien joué. Oui, regarde-moi cette douleur, la douleur. Ouh, ça va tuer, ça va tuer, ça va tuer. Oh le sang. Tu t'imagines le nombre de baffes qu'il a pris à la minute, là, regarde. Oh la vache. Là franchement c'est chaud et non vraiment Ah moi j'ai envie que Crash il remonte hein, il est pas perdu pour moi, il faut continuer à l'encourager. Il nous l'a montré hein, clairement il nous a montré qu'il était capable de revenir et qu'il avait totalement la grinta. Il est tel, attention petit moment politique, il est tel Arnaud Montebourg capable de la remontada. pour les intimes qui ont suivi un peu. Mais du coup, non, vraiment, il en est tout à fait capable. Stem qui continue par contre à dire non, ça suffit. J'en ai un peu marre de voir les facilités que tu es en train de me faire. Par contre, c'est bien joué. En plus, le reset un petit peu à la shop, t'es bien vu. Regarde le mythique est tellement mal. Aïe, t'es tellement bien vu. Oh, ce V-skill, le niveau est en train de monter là. Le niveau est en train de monter très très vite. Activation V-trigger. Oh, wow, j'en ai rien à cirer de tes mille mains. Je te colle le dragon qui fait tellement mal. Décalage. Oh là là là. Et il a tenté un Doskoy, mais ça ne suffit pas. Et c'était un Doskoy EX, mais il n'avait plus d'énergie, le pauvre. Doskoy EX, ouais. Ça devait absorber. EX, ah là là. Oh le jumping. Oh, c'était bien joué. Ah, par contre, ça c'était bien joué de la part de Bestem qui direct. Bon hein, V-Shift direct, il dit non. Là, ça pue ton truc.
L'utilisation bien sûr du Doskoï ici pour essayer de casser. Oh. Oh, c'est tellement bien joué. Regarde comme il agit à distance. Par contre, il se reprend. Regarde le dash. Tu as vu le dash? Tu l'as vu. Et Ferdon, le check de dash. Celui-là, il était legit. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans le coin, monsieur Crash. C'est en faisant un dash de trop. Et après, on se fait bourmenter la face dans les grandes lignes. Aou, aou, ouch. Et oui. Et Beslem qui est déjà à 9 points. Là, ouais, il est sur le point d'enfoncer le clou. Beslem qui a vraiment pris un avantage significatif en ayant cette capacité à checker les dashs. Ah, très solide. Vraiment, après, il abuse, Crash, à mettre double dash comme ça, là. Il sait que c'est pas safe. Écoute, si après, ça peut surprendre, c'est pour surprendre. Van toute naze, peut-être que c'était un gros joueur de Mario Kart, hein, mais... double dash, tout ça. Bon, bref. Mais je suis tout seul sur ma van, magnifique. Mais pour le moment... Petit moment de solitude, Snake. Oui, totalement. Ouais. Excusez-moi, les gars, ça fait longtemps que j'ai pas commenté. Hein. Soyez indulgents avec moi. Mais en tout cas, pour le moment, c'est chaud. Et Beslem qui est bien. Hein. Putain, ce F, ce Beat by 4 là, on l'avait pas vu venir. Franchement, Ferdon, on l'avait pas vu venir celui-là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, il a survécu. Au moment où il est arrivé. Au moment où c'est arrivé, on l'avait pas venir. Par contre, ça joue bien là. Et la barre de vie qui vient de voler en éclat. Et le V-Shift. Le V-Shift qui est devenu vraiment une réponse. Une réponse de tout premier plan. Ah, ça joue bien quand même là. Regardez, bonne gestion à Duken. Oh là là. Très 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 bonne conversion. Je m'attends au pire pour le crash. Le chimie, double ici, ça n'a pas marché. Verriversal, très bien joué. Mais non, mais non, il avait plus d'énergie. Non, ouais, bah attention, il a lancé le truc avant de prendre le EX à Duken. Il l'a lancé, il a enclenché son truc en pensant que ce serait un R Hadouken normal et pas un EX, donc forcément bon bah ça change un peu la donne. Et mais bon, allez, en tout cas je rêve ou c'est balle de match, ouais, balle oui, de 7, balle de match et balle de 7, balle de tout en fait, hein, balle de fin de rencontre, balle de dodo, balle de fin de commentaire, balle de Maturino et... balle de Maturino exactement. Donc non, on en est là, c'est bien, ça joue bien, hein, parce que voilà, attends, là les deux joueurs qui se rendent coup pour coup. Et c'est Bestem qui trouve l'ouverture. Et là, il a pas capitalisé. Je pensais vraiment qu'il capitaliserait plus dessus. Mais il a pas capitalisé. Et c'est juste très très chaud. Ah, c'est bien joué encore une fois. Les deux joueurs qui ont énormément de barres blanches. Puis maintenant, mais en tout cas, les moindres ouvertures de cartes peuvent faire très mal. Oh la vache, celle-là, elle va faire mal. Et attention, 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 les gars. Ah là 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 là. Et c'est la fin avec cette chop qui est trouvée. Magnifique Beslem qui a signé un magnifique beat by 5. Alors celle-là, je l'attendais pas quand même. Ah là, je pensais pas qu'il serait capable de remettre beat by 5 là-dedans. Ouais, c'est. C'est très fort, hein. De la part de Beslem, mettre 5 d'affilée comme ça là.